J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo du jour, j'avais envie de revisiter le format des favoris du mois en y incorporant quelques petites nouveautés par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai envie de transformer les favoris du mois en un espèce de reset du mois précédent, vous voyez, une espèce de remise à zéro où on va discuter de ce qui s'est passé le mois d'avant, on va discuter aussi de ce que je prévois pour le mois d'après, on va discuter make-up, on va discuter random, on va discuter objectif. J'avais envie de rendre ça un petit peu plus général que juste du make-up, vous voyez, ça fait partie de ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, j'avais envie de vous parler d'autre chose que de make-up, mais aussi de make-up, parce que vous savez que j'adore toujours autant ça, donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, je suis toujours hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez. Avant qu'on commence, j'avais envie de vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sous ma dernière vidéo. Merci infiniment, merci mille fois de m'avoir si bien accueilli pour ce retour sur YouTube. Franchement, j'étais trop émue à toutes vous lire en commentaire, à voir tous vos retours, etc. Franchement, vous m'avez limite mis les larmes aux yeux. J'avais un petit peu d'appréhension de vous poster cette vidéo parce que c'est pas le genre de vidéo que je vous poste d'habitude. J'avais peur que ce soit, je sais pas, que ce soit mal reçu, vous preniez ça comme moi qui passe une demi-heure à me plaindre ou... je sais pas, que vous me tiriez un petit peu les oreilles de vous avoir laissé sans nouvelles pendant un petit peu de temps, ce que certaines d'entre vous ont quand même fait, mais je comprends tout à fait, hein, je comprends tout à fait, j'aurais fait la même chose, même situation. Mais ouais, franchement, merci beaucoup pour tous vos retours, je suis trop contente, tellement contente de vous retrouver, je suis tellement contente de papoter avec vous en commentaire, toute la force que vous me donnez, toute l'énergie que vous me donnez, c'est un truc de fou, donc je vous remercierai jamais assez pour tout ça, et on va attaquer cette vidéo parce que sinon j'ai bien peur que ça dure extrêmement longtemps. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. Alors vous voyez toutes les résolutions du début d'année, etc. là qu'on tient pendant 3 semaines dans le meilleur des cas et qu'ensuite on passe à la trappe et qu'on oublie complètement. Cette année j'avais envie de faire un système un petit peu différent, c'est-à-dire me fixer des objectifs sur l'année et de couper ça en plus petits objectifs de temps atteignables, donc de couper ça par trimestre. C'est-à-dire ensuite de découper des gros objectifs en objectifs plus petits sur 3 mois. Qu'ensuite je pourrais découper un objectif encore plus petit sur 1 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, ça me donne toujours quelque chose de nouveau, quelque chose vers quoi je peux... des objectifs qui sont petits mais qui vont dans une plus grande image. Et ça me permet comme ça aussi tous les mois de réajuster. On change tout le temps au cours du temps, etc. On peut se rendre compte que certains objectifs ne sont plus adaptés. On peut avoir de nouvelles envies, etc. Donc ça me permet un petit peu de toujours... réajuster ça, et donc on va parler de ça, et on va parler plus spécifiquement du mois dernier du coup, et du mois à venir, du mois de mai. J'ai l'impression que ça veut rien dire, mais vous avez l'habitude, de toute façon sur cette chaîne ce sera pas la première fois, on va finir par se comprendre parce que vous et moi on finit toujours par se comprendre, je le sais, je le sais. Donc pour ça, je me suis créé un petit template que j'ai créé moi-même, on va parcourir ça, et on va commencer par la rétrospective du mois d'avril. Pour faire ça, je me suis créé quelques petites questions en fait, des espèces de petits prompts qui vont permettre, en répondant à ces questions, de faire un petit bilan du mois dernier. Donc première question, c'est ce que tu as accompli le mois dernier, et j'ai envie de répondre à ça en même temps que ma deuxième question. C'est ce que tu as fait pour prendre soin de toi. J'ai envie de regrouper ces deux catégories parce que je trouve que sur le mois d'avril, ce que j'ai réussi à accomplir, ça a vraiment permis de faire en sorte que je puisse prendre un petit peu plus soin de moi. Donc je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que j'étais dans un nouvel appart et que j'étais un petit peu en train de refaire, enfin de faire tout ce qui était lié à l'appart, et ça m'a pris tellement, tellement, tellement de temps que je n'en voyais absolument plus la fin. Et en avril, c'était le mois où j'ai eu l'impression de enfin mettre les petites touches finales qui m'ont permis de dire que ça y est, je suis enfin chez moi, dans un chez moi qui me plaît, dans un chez moi qui me ressemble. Alors tout le gros du travaux, c'était plutôt les mois d'avant, mais en avril c'était, je sais pas, les petites touches de finition. Alors j'ai pas 100% fini, hein, comme je vous disais, la situation pour s'asseoir dans mon salon n'est toujours pas au point, hein, c'est-à-dire que j'aurais toujours besoin d'un canapé, d'une chaise de bureau, mon coin bureau aussi, c'est pas forcément mon coin bureau idéal, déjà j'aurais pas forcément aimé qu'il soit dans le salon, mais on fait avec les moyens du bord, vous voyez. Mais comment dire, même si je suis pas dans un délire de me dire que tout est 100% parfait, j'ai pu mettre des petites touches de finition qui ont fait en sorte que je me sens vraiment dans un environnement beaucoup plus cosy, beaucoup plus chill et beaucoup plus à mon image, vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, genre les petits vases comme ça avec les petites décos que vous voyez derrière moi, là, ce coin-là, j'ai un petit peu recréé l'ancien décor que vous aviez l'habitude de voir sur YouTube, mais un petit peu remis au goût du jour. Des petites touches de déco, des petites touches de verdure par-ci par-là qui font que je suis super contente d'avoir enfin un appartement que quand je rentre dedans, je me sens bien et je regarde autour de moi et je me sens apaisée, je me sens relaxée, je me sens good vibes. On va passer à ce qui a été challenging au cours du mois d'avril, et pour ça, vous allez vous foutre de ma gueule, je le sens. Mais il faut être honnête, moi pour moi ce qui a été challenging au cours de ce mois d'avril, c'est que
On a eu le changement d'heure, c'était quand? C'était fin du mois de mars? Ça me met dans un jet lag qui dure tellement longtemps, mais je sais pas comment font les gens pour se remettre de ce changement d'heure en 2 jours. Hein. Parce que moi je vous dis, il me faut au moins 2 semaines, et ça a été le cas. J'ai tendance à me faire des objectifs pour un trimestre, et ensuite les découper en plus petits objectifs par mois. Et donc fin du mois de mars, du coup c'était fin du premier trimestre, et c'était là où j'aurais dû me pencher sur les objectifs pour avril et pour les 3 mois à venir. Et c'est là où j'étais dans un jet lag à cause de ce changement d'heure. Alors je me plains pas, parce qu'on kiffe hein, ce changement d'heure, les jours sont enfin plus longs, on rentre enfin chez soi le soir, il fait jour, il fait encore beau temps, on a encore envie de faire des choses, on peut aller faire ses courses, on peut sortir un petit peu. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais moi, alors non seulement le fait qu'on perde 1 heure de sommeil, mais aussi le fait qu'il fait jour plus tard, ça fait que j'ai envie de me coucher plus tard, ça fait que je dors encore moins, déjà que j'ai l'impression de pas dormir assez. Jet lag pendant au moins 2-3 semaines, du coup ça fait que j'avais l'impression d'être dans un brouillard, vous voyez, quand vous dormez pas assez, quand vous êtes... J'étais dans un mood, voilà, la flemme. J'avais pas une vision claire sur mes objectifs, sur ce que j'avais envie de faire au mois d'avril. Et quand vous avez pas une feuille de route claire sur ce que vous avez envie de faire, et bien, au final, tout ce que vous faites, c'est un petit peu... éparpillée, vous voyez, je suis tombée de toutes mes routines. J'avais une morning routine que j'avais perfectionnée les 3 premiers mois de l'année, une night routine que j'avais perfectionnée, que je kiffais trop, qui me permettait d'être trop bien. Je suis un peu tombée de toutes ces routines, vous voyez. Pourtant, je suis bête, j'aurais juste dû m'y prendre avant pour faire tout ça, parce que je le sais, tous les ans c'est la même chose. Tous les ans, je sais que ce changement d'heure il me flingue complètement, mais genre tout le mois d'avril, je suis en jet lag. Me dites pas que je suis la seule, pitié dans les commentaires, me dites pas que je suis la seule, parce que j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui me disent non, moi ça me perturbe absolument pas, ça me perturbe zéro. Dites-moi que je suis pas la seule, je vous en supplie, dites-le moi. Ensuite, on va passer à une petite section des choses dont j'ai envie de me rappeler de ce mois d'avril, les livres que j'ai lus ce mois d'avril et les livres, les choses dont j'ai envie de me rappeler. Donc tout d'abord, j'ai lu le livre J'arrête le superflu, traîné dans ma bibliothèque, et j'ai lu que récemment, justement avec le fait que j'étais en train de refaire l'appart et tout ça, j'avais envie de aussi faire un énorme tri dans mes vêtements, dans mon make-up, dans toutes les choses qu'on peut avoir en trop, qu'on a tendance à accumuler, surtout que les années 2020, 2021, 2022, franchement c'était pas du tout une année où je me suis beaucoup occupée de mon chez-moi, donc voilà, j'ai accumulé beaucoup trop de choses. Donc j'ai lu ce livre-là, et franchement, je vous le recommanderais pas spécialement. J'avais l'impression de lire généralité sur platitude. Ça allait pas au fond des choses, et du coup je vous recommande pas si vous êtes à la recherche d'un truc qui va vous permettre de vous donner une petite méthode, ou des petits tips, etc. J'ai pas trouvé qu'il était ouf ce livre. Le deuxième livre, c'est Le succès par la pensée constructive par Napoléon Hill, et un deuxième auteur dont je ne me rappelle plus. Et ce livre-là, il y a des bonnes idées, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu saoulée à l'intérieur. Déjà, j'ai l'impression que l'auteur passait son temps à faire sa propre auto-promo, vous voyez. Parce qu'en gros, il vous donne des exemples de personnes qui ont réussi ou de personnes, voilà, qui ont mis en place des principes, des valeurs, leur cheminement pour en arriver là. Et souvent, le gars a lu mon livre et grâce à ça, ça lui a ouvert toutes les portes pour avoir du succès et pour réussir dans tous ses projets. J'étais en mode, ouais, bon, d'accord. Une fois, deux fois, ça passe. Je comprends qu'il fasse son auto-promo, mais à un moment donné, flemme. Puis des fois, je sais pas, il y avait une dimension spirituelle qui était un petit peu bizarre en fait que dans ce livre. C'est pas forcément le meilleur livre de développement personnel que j'ai pu lire, donc voilà, si vous êtes un peu dans ce délire-là, je vous le recommanderais pas spécialement, hein. Et dans la catégorie fiction, j'ai lu 2 livres ce mois-ci, c'était le livre Scarlett et le livre Cresse. Alors là, on est dans un domaine 100% différent, on est dans le domaine dystopique qui revisite aussi les contes de fées. Donc là, on est sur des princesses qui ne sont plus princesses, je vais pas vous spoiler, mais bref, qui sont en mode girl power, qui sont là pour sauver le monde. Il y a des petites doses d'histoires d'amour aussi qui sont dans les livres, mais c'est pas too much au point où c'est gnangnan. C'est juste ce qu'il faut pour que vous ayez envie d'en savoir plus, sans tomber dans la niaiserie où on n'en peut plus, etc. Franchement, j'ai trop kiffé, je me suis fait les 2 livres, ils sont énormes. C'est des livres, ils font, je vous jure, ils font cette taille-là. Je les ai fait en 5 jours. C'est pour vous dire que j'ai kiffé, ok? Ok, donc je vous les recommande, c'est une saga, il y a 4 livres dans la saga, il y a Cinder, Scarlet, Cress, Winter, j'ai lu les 3 premiers, il me manque le livre Winter, j'ai trop hâte, je pense que je vais me le faire au mois de mai, parce que j'ai vraiment hâte. Je me suis mis une catégorie musique et podcast, alors je vais juste vous parler d'un podcast, c'est le podcast de Mel Robbins, pareil, si vous êtes un petit peu dans le délire développement personnel, etc. Franchement, je l'adore, j'adore sa façon de voir les choses, j'adore les conseils qu'elle donne, c'est des trucs qui sont pragmatique, c'est des trucs, voilà, et elle a un truc en fait communicatif qui vous donne envie déjà de vous accrocher, parce qu'il y a le nombre de podcasts où, je sais pas, vous écoutez un quart d'heure, vous vous rendez compte que vous avez complètement déconnecté, elle non, vous accrochez dès le début, tout de suite vous rentrez dedans, tout de suite elle vous donne le thé, vous voyez, et franchement, j'aime beaucoup. Seul problème, c'est que c'est en anglais, donc voilà, si vous avez l'habitude de regarder des séries, des trucs comme ça en anglais, ok, mais ouais, sinon, non,
Mais Mel Robbins, j'ai trop kiffé. Films et séries télé, alors les films, vous allez vous marrer aussi. Je suis tombée dans une spirale Jurassic Park. Les amis, comment vous dire, je me suis refait les 4 films. Je crois qu'il y a 4 films. Je me suis refait les 4. Je crois qu'il y a 3 Jurassic Park et 1 Jurassic World, je me suis refait les 4. J'aime trop cette saga de films. Et voilà, je sais pas pourquoi, en avril, je suis retombée dessus par hasard. Du coup, j'ai eu envie de tous les revoir. Ça a été chose faite. Et dans les séries télé, The Last of Us. Si vous n'avez pas entendu parler de The Last of Us, je ne sais pas où vous vous planquiez pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. Et j'ai... Je me suis fait chier. Oh, j'ai pas réussi à décoller du premier épisode. J'ai même pas regardé tout le premier épisode pour vous dire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé, ce que vous en pensez. Si je rate un truc à pas être allé au-delà de la moitié du premier épisode. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, pour les personnes qui ont regardé le premier épisode, le tout début, il m'a accroché là, le tout début. Vous voyez le début, ce qui se passe. Et ensuite, vous rentrez dans un autre truc et c'est à partir de là où j'ai... C'était lent, ça avançait pas, j'ai pas réussi. Donc dites-moi dans les commentaires si je loupe un truc ou pas, mais là, j'ai pas pu. Je vais pas vous donner plus de détails que ça parce que je me suis arrêtée au bout de 30 minutes. Mais c'est la série qui m'a marqué ce mois-ci, j'avais envie de vous en parler, j'avais surtout envie d'avoir votre avis sur la question. Du coup, je pense qu'on va enfin passer à la partie make-up. Et pour le make-up, d'abord, je vais boire un peu d'eau parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour le make-up, ce que je me suis dit que j'allais faire, vu qu'on n'a pas parlé make-up depuis ce début d'année, je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap d'un petit peu tout ce que j'ai testé depuis ce début d'année et vous dire ce que j'en pense. Il n'y a pas tant de choses que ça, même si quand j'ai regroupé toute ma petite boîte là, je me suis dit quand même, ah quand même, beaucoup, 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 beaucoup de produits Rare Beauty. On est en train de devenir un Rare Beauty Stan account par ici, c'est 100% assumé. J'aime trop cette marque, je sais pas quoi vous dire. Donc toutes ces petites choses là, donc un crayon pour les lèvres, vous savez que j'adore les crayons pour les lèvres Rare Beauty. Celui-ci c'est la teinte Talented et c'est la couleur parfaite, c'est ce que je porte. J'adore parce que c'est quasiment exactement la même couleur que mes lèvres. Du coup c'est parfait parce que ça vient me définir le contour des lèvres sans avoir le contour des lèvres qui est 5 teintes plus élevé que le rouge à lèvres ou que vos lèvres naturelles ou etc. Vous savez que j'adore cette formulation. C'est un trait qui est défini, mais c'est comme si le crayon s'est trompé tout seul pour vous au moment où vous l'appliquez. Et merci les produits qui font le taf à notre place, merci. Le highlighter, je pense que tout le monde a dû en parler maintenant à ce stade hein, sur YouTube. Moi j'ai la teinte Accelerate, je sais pas comment ça se dit, bref. J'aime beaucoup, franchement j'adore la formulation de ce highlighter hein. Ça fait partie de mes highlighters coup de cœur. Juste la teinte, j'aurais aimé qu'elle soit un poil plus pêche en fait. Parfait en hiver, là que je commence à prendre un tout petit peu de couleur, ça devient... Il a tendance à être limite un petit peu froid en fait pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous possédez des teintes au-dessus de cette teinte-là. Je pense que ça doit être la teinte numéro 2. Si vous possédez la 3 et 4, n'hésitez pas à me dire ce que ça donne. Je serais très curieuse de savoir. Est-ce qu'il y en a une qui a un sous-ton plus pêche que celui-ci qui est vraiment très champagne. Mais sinon, l'effet sur la peau, mais cet effet glass skin... Vous avez une peau miroir avec ça, vous pouvez le moduler et c'est d'une finesse et c'est d'un glow. Et en même temps, c'est hyper naturel, même quand vous en mettez beaucoup, vous tapotez un petit peu avec le doigt et ça reste quand même naturel. Franchement, j'aime trop. Il y a le brightener, le concealer brightener que j'ai en teinte light, ça fait exactement son job. Moi, je l'ai pris juste pour éclairer mes concealers parce que je suis pas trop dans le délire de prendre un concealer, une teinte en dessous de la mienne parce que moi, sur moi, ça me fait vraiment cet effet retour de ski, là, vous avez mis les lunettes de soleil. Ça me va pas, c'est pas un look qui me va. À chaque fois que j'ai tenté de faire ça, on m'a tout le temps dit « Tu reviens de vacances ?» Non les gars, j'ai juste pris une teinte anti-cerne un poil plus clair que ma teinte, mais arrêtez de dire ça. Bref, du coup j'ai pris ça pour faire ce job là, dans la teinte light, je sais pas si je l'ai dit, ça marche très bien pour ça. N'attendez pas une couvrance de concealer avec ça, pour moi c'est pas du tout un concealer, j'en rajoute juste une pointe, un point en plus de chaque côté, par-dessous plutôt mon concealer, et voilà, ça vient m'éclairer le dessous de l'œil, ça fait le job. Est-ce que c'est le meilleur truc qui existe pour ça? S'il y en avait qu'un seul à avoir pour moi, c'est le concealer Charlotte Tilbury qui fait tout. À lui tout seul. Un blush, ça c'est la nouvelle teinte Virtue que j'aime beaucoup, c'est un neutre chaud, c'est tout, c'est un neutre avec une petite pointe d'orange à l'intérieur, et j'aime beaucoup les blushs Rare Beauty dans ce format là, vous le savez, ça fait partie, enfin c'est, je pense, ma formulation de blush liquide préférée. Donc voilà, et cette teinte, vous savez que les teintes qui ont un petit peu d'orange à l'intérieur, bah voilà, on change pas. Et les huiles à lèvres que j'aime beaucoup, elles ont un effet hyper liquide et frais au moment de l'application.
C'est des huiles à lèvres qui ont cet effet un petit peu mentholé, hein, mentholé qui dure quand même un petit peu, ça dure pas juste 3 secondes, hein, ça va durer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, peut-être 3 minutes, hein, ça dure. Mais sinon j'aime beaucoup cet effet presque gélifié sur les lèvres, en fait vous avez l'impression d'avoir mis un baume à lèvres teinté, vraiment bien 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 hydratant, mais pas collant et pas glissant sur les lèvres, bref c'est la texture parfaite. Ça vient vous laisser la couleur sur vos lèvres une fois que cet effet gélifié, baume à lèvres, etc. part. C'est des très très bonnes huiles à lèvres. Après, est-ce que c'est mes huiles à lèvres préférées? Non. Mon huile à lèvres de chez Ilia en teinte Tahiti restera au-dessus de celle-là. J'adore Air Beauty. Et voilà. Et même dans ces deux-là, si j'en avais une à vous recommander, c'est la teinte Happy. Hein. Par rapport à la teinte Joy, c'est un orange. Comme ça avait une toute petite pointe de rouge à l'intérieur, j'aurais aimé que ce soit un vrai orange bien frais en fait pour l'été, donc un tout petit peu déçu par la teinte, mais la teinte Happy, c'est en fait c'est le rose parfait pour vous donner du peps à vos lèvres sans que ce soit un rose flashy. C'est la teinte parfaite pour un look make-up, no make-up sur les lèvres, mais qui vient vous donner quand même une petite pointe de peps avec cette jolie petite couleur rose qu'il peut avoir. Franchement, Happy, gros coup de cœur dessus. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock, mais si vous mettez la main dessus, allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, petit blush de chez Too Faced, c'est la teinte, c'est le Cloud Crush Blurring Blush dans la teinte Tequila Sunset. Ce blush là, c'est un bon blush, juste je lui trouve rien de particulier. En fait ça va pas être un blush coup de cœur, c'est tout, c'est un excellent blush, une excellente formulation. Cloud Crush, c'est exactement ça, c'est un effet aérien en fait quand vous l'appliquez, vous n'avez pas une grosse, un gros amas de matière, c'est vraiment un effet aérien que vous pouvez construire, avoir un effet très léger, avoir un effet un petit peu plus intense. C'est le blush que je suis en train de porter d'ailleurs pour information. C'est pas lumineux mais il a quand même de l'éclat, vous voyez, je trouve qu'il a quand même un effet floutant, c'est vrai. C'est pas un effet floutant qui va vous flouter complètement tous vos pores etc, mais il a quand même ce petit truc qui vient donner cet effet un petit peu plus flou au grain de peau. Juste, je sais pas, j'ai pas eu un énorme coup de cœur dessus, c'était par rapport aux teintes, parce que j'ai trouvé que les teintes qui étaient proposées dans cette gamme étaient trop basiques, ça correspondait trop aux blushs qu'on a l'habitude de voir partout. Je pense que dans l'ancienne gamme, même de chez Too Faced, on avait l'habitude aussi de voir ce genre de teinte. Je pense que c'est un petit peu ça plus qui m'a déçue par rapport à la formulation qui est très bonne. Si vous avez une teinte coup de cœur à l'intérieur de cette gamme, pourquoi pas, mais sinon, je trouve pas que, voilà, allez voir les blushs RMS Beauty par exemple, hein, je dis ça, je dis rien, ou les blushs Pat McGrath, c'est une très belle formulation. Juste, j'ai pas eu le coup de cœur. Ensuite, on va passer aux palettes. Et les palettes, on va aller très vite parce qu'il y a beaucoup d'éditions limitées. Je sais même plus si on peut mettre la main dessus ou pas. Donc, tout d'abord, la pastel de Natasha Denona. Hein, vous vous en doutez, j'ai bien sûr craqué sur cette pastel en début d'année quand elle était sortie. Et pareil, bizarrement, je l'aime bien, mais ça a pas été un coup de cœur en fait, cette mini. Hein. C'est des pastels très froids, c'est des pastels très hivernaux. Au début, on comprenait pas trop pourquoi elle était sortie pour l'hiver. Mais quand vous prenez ces teintes et que vous les appliquez en aplat sur votre paupière, vous captez pourquoi elle est sortie en hiver. C'est du pastel vraiment très hivernal, c'est un effet très Reine des Neiges en fait, hein, les teintes, ces teintes là quand vous les mettez. J'aime bien pour faire des looks, genre je prends un fard que je mets partout sur toute ma paupière et basta, ça donne un petit look frost, pastel frost. Cette teinte là, là c'est un espèce de petit doré avec un petit duochrome vert, il est très très beau, mais on a l'habitude de voir ce genre de teinte un peu de partout, hein, si vous êtes, si vous me suivez depuis un petit moment et que vous m'avez entendu parler à quelques reprises de la marque Oden Eye par exemple. Voilà, on connaît. Même dans la gold, hein, même dans la gold de palette, il y a quelque chose qui peut ressembler à ça. Lui, là, c'est comme si c'était un vert plus froid, presque bleuté en reflet dans ce gold-là. Bref, je l'aime bien. C'est pas ma palette préférée, Natasha Denona, mais c'est une bonne petite palette. Ensuite, j'ai craqué chez Pat McGrath en début d'année, hein, sur les deux mini qui étaient sortis à l'occasion de Star Wars. Donc, il y a la... Comment t'appelles-tu la Sith Séduction, celle-ci. Et la Divine Droid. Et pour ces deux palettes, j'ai le même retour à en faire, c'est-à-dire que il y a des teintes que j'adore et il y a des teintes où je m'en fous complètement. Donc du coup, je suis un petit peu en mode mitigée sur cette palette. Genre celle-ci, les deux neutres là qui sont dans cette palette, ils sont incroyables. Ils sont incroyables, incroyables, ok ? Ils sont magnifiques. Le vert aussi est très très beau. Après, les deux autres teintes, qu'elles étaient ou non dans la palette, voilà. Et pareil dans celle-là, hein, vous doutez que les deux teintes qui sont juste là, j'adore. Ce bleu aussi, je le trouve magnifique. Ça, justement, je trouve que pour le printemps, au top. Formulation, là, dans ces petites mini, mais toujours aussi incroyable. Par contre, les deux teintes juste là, je ne les mettrai jamais. Ensuite, on continue chez Pat McGrath. Et ça, c'était des vieilles palettes qui étaient sorties l'année dernière. Et j'ai craqué dessus à l'occasion des soldes. Les soldes d'hiver, parce que, je sais pas si vous avez suivi, mais ces deux palettes-là, elles étaient en promo à moins 30% à un moment donné.
Et en plus, il y a eu moins 20% supplémentaires qui se sont appliqués dessus. Donc, vous connaissez mon amour pour Pat McGrath. J'ai craqué et je ne les regrette absolument pas, ces petites palettes-là. Même si j'étais la première à dire que franchement, ouais, bof, on en a marre du rose chez Pat. Je le pense toujours autant, mais vraiment, je suis très très belle surprise. Je pense que c'est aussi la grosse promo qu'il y a eu dessus qui me fait dire ça. Hein. Si je les avais payé plein pot, peut-être que j'aurais pas eu cette avis-là. J'adore les deux lumineux, là. Cette teinte-là, même si je pensais que sur moi, ce serait le genre de teinte qui ne vont absolument pas, pas du tout. Pas du tout. Cette teinte-là, en tant que blush, j'adore. Celle-là, là, cette special shade-là. Bref, je vais pas m'éterniser dessus parce que je suis pas sûre qu'on puisse encore mettre la main dessus. Et j'ai mis la main sur la deuxième, pareil, pour la collectionnée des special shades de chez Pat McGrath. Que vraiment, je trouve que même si on a de très très belles teintes à effet spéciaux chez Odent Eye, chez Glam Shop, dans les monos, etc. Je trouve que la formulation chez Pat McGrath a quand même un petit truc spécial. C'est d'une finesse en fait. C'est la finesse qui, je trouve, est quand même assez inégalée chez Pat McGrath. Donc ouais, ces trois teintes-là, là, que j'adore dans cette palette. Les trois autres, voilà, je m'en fous. Pareil, ça, je me le mets en tant que blush du coup, mais franchement, j'aurais bien aimé voir autre chose. Cette teinte-là, franchement, flemme, on en a marre de voir ça chez Pat McGrath, je suis d'accord. Bref, en solde, je suis contente de les avoir eues. Mais voilà, c'est pas les palettes du siècle. En fait, c'est ça qui est embêtant sur ces palettes Pat McGrath, c'est que vous avez toujours quasiment la moitié sur chaque palette. Vous en avez rien à foutre qu'elle soit là ou pas, quoi. Du coup, vu les prix, ça fait quand même un peu chier. Ça fait quand même un peu chier. Après, en général... Pardon, je fais du bruit. En général, l'autre moitié compense quand même beaucoup. Beaucoup. Mais voilà. Deux dernières palettes que, pareil, craquage du début d'année. Ces deux palettes de chez... comment ça s'appelle déjà? Merde. C'est quoi le nom de la marque? Adept. Donc j'ai la Minka et j'ai la Heather Austin. Et sur ces palettes-là, vous allez halluciner parce que mes avis n'ont absolument rien à voir. Alors on va commencer par la déception du lot. Celle que pourtant je pensais que j'avais le plus adoré, c'est la Minka. Mais alors cette palette, je sais pas si j'avais trop de expectations, si j'avais trop d'attentes par rapport à cette palette, surtout par rapport à ce qu'on a entendu sur la marque Adept, que c'était un truc de fou, etc. J'avais peut-être beaucoup trop d'attentes, mais la Minka, elle m'a déçue. En fait, c'est surtout ces teintes-là, là, qui sont justement les plus wow de la palette, parce qu'elles ont une formulation, on a l'impression que c'est du diamant écrasé, quoi, vous voyez, qu'on a mis dans un pan tellement ça brille. Tellement ça avait l'air d'être tout ce que j'aime, mais la formulation, ça a une formulation tellement épaisse, ça ne va absolument pas, ça me fait une paupière, on voit que ça en fait. Vous voyez, quand je vous parlais de Pat McGrath, où elle vous fait des fards hyper lumineux et d'une finesse extrême, ça c'était tout le contraire. Oui, la luminosité de l'espace était là, mais par contre, ça faisait un effet beaucoup trop épais sur ma paupière, du coup j'arrivais pas, et puis limite, enfin ça m'asséchait en fait la paupière. D'avoir cette texture en fait dessus, au démaquillage aussi je le sentais. Énorme déception sur la Minka, hein. Franchement, et même les looks que j'ai fait avec. Outre la texture, même si on passe à côté de la texture etc. qui était pas ouf pour moi, les looks que j'ai fait avec, j'ai pas réussi. Donc dites-moi dans les commentaires, parce que je sais qu'en début d'année, la marque elle est arrivée chez un revendeur européen. Je sais plus si c'est toujours d'actualité ou pas depuis. Mais je sais que beaucoup de personnes ont craqué notamment sur cette palette là. Donc dites-moi votre retour en commentaire, j'ai vraiment très très hâte d'avoir vos retours sur la Minka en particulier, parce que j'ai vraiment été un petit peu chafouine par rapport à celle-là. Par contre, la deuxième, là... Pourquoi j'ai un épi, là? Stop! Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, on s'en fout. La Heather Austin, par contre, celle-là, énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. Alors, j'ai pas encore utilisé tous les fards de la palette, mais j'en ai utilisé quand même une bonne partie, et vraiment gros, gros coup de cœur sur cette palette-là. J'aime trop. Je suis maquillée avec... Aujourd'hui, je me rapproche un petit peu dans l'espoir que vous pouvez voir la dinguerie que j'ai sur les paupières. C'est le fard qui est juste ici, mais alors lui, c'est une dinguerie niveau fard qui se voit depuis l'espace, fard à multi-reflets et pareil, d'une finesse. Donc je sais pas si la formulation a changé, parce que la Minka, c'est l'une des plus récentes palettes de chez Adept. Il me semble qu'ils avaient parlé peut-être d'un changement de formulation de certains fards pour les rendre encore plus waouh. Donc c'est peut-être ça qui m'a pas plu, enfin qui a pas convenu en tout cas pour mes paupières. Mais la Heather aussi, en plus il y a des teintes à l'intérieur que j'ai nulle part ailleurs, quoi. Et vous savez que ma collection de palettes, elle n'est pas petite, donc pour arriver à dire ça d'une palette, c'est quand même rare. Mais il y a des teintes incroyables, la Passport et la Austin, elles sont juste dingues. Et puis toutes les autres, si vous hésitiez sur la Heather Austin ou la Minka, je vous recommande beaucoup plus celle-ci que l'autre, parce que l'autre, j'ai pas capté. Bref. On a fini sur cette énorme interlude make-up. Donc d'abord, je vais reboire un coup d'eau.
Parce que je sais pas chez vous, mais chez moi, ça y est, il recommence à faire hyper chaud là. On est début mai et j'ai déjà limite des 25 degrés à l'intérieur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, vous ne le voyez pas. En tout cas, j'espère, mais je commence déjà à transpirer. Hein, donc, waouh, la luminosité, ça va ou quoi? Soit je suis dans le noir, soit j'ai beaucoup trop de lumière. Hein, donc, il n'y a pas entre les deux. Du coup, on allait passer aux objectifs et un petit peu ce que j'ai envie, ce que j'ai en vue pour le mois de mai, mes intentions, etc. Vous voyez, je me suis fait un petit mood board avec des choses très rose, très mint, très pastel, de genre de couleurs très fraîches qui font penser à l'été, qui vous donnent envie d'être de bonne humeur, etc. Mais on va parler surtout de mes objectifs. Pour ce mois de mai, j'ai trié ça par catégorie. Donc on va commencer par la catégorie self-care. Je vous avais dit que le mois d'avril, j'étais un petit peu tombée de toutes mes routines, morning routine, night routine, skincare routine, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment envie de reprendre toutes mes routines au max ce mois de mai, surtout ma morning routine et ma night routine qui sont hyper 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 importantes pour moi au niveau self-care. Franchement, c'est des routines qui me font me sentir trop bien et qui me permettent de passer des bonnes journées et des journées bien productives. Deuxième objectif, je vous parlais skincare. Alors niveau skincare, je me suis mis alors déjà de plus hydrater, enfin de penser tous les jours après avoir fait ma routine skincare du visage, de m'hydrater le cou et le décolleté, parce que j'ai remarqué que c'est des zones que j'ai beaucoup tendance à oublier. Et moi pourtant c'est une zone où je marque beaucoup, donc mois de mai, tous les jours, hydratation, cou, décolleté, obligatoire, c'est dans mes objectifs. Deuxième objectif, j'ai envie de me pencher un petit peu plus sur mon skincare, une routine pour les boutons cicatrices et pour avoir un petit peu plus de glow, parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, j'ai tendance à avoir la peau vraiment, enfin, assez terne. Ce qui, bien sûr, a tendance à mettre encore plus en relief le grain de peau. J'ai un grain de peau, enfin, j'ai des pores assez marqués, etc. Je trouve que d'avoir la peau terne, ça accentue encore plus ce genre de choses, plus des cicatrices d'acné, etc. Donc j'ai envie de me trouver quelque chose dans ma skincare routine, je sais pas, peut-être me pencher sur des meilleurs gommages ou des peelings ou des lotions. Je sais qu'il y a de l'acide glycolique que vous pouvez appliquer en lotion tous les jours et qui aide pas mal à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations dans les commentaires, je serais ravie de savoir vous ce que vous utilisez. Des choses qui sont quand même assez douces parce que j'ai la peau quand même assez sensible. N'hésitez pas à me dire vos recommandations dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir tester ça. Mais en tout cas, sinon je ferai mes propres recherches pour trouver quelque chose par rapport à ça. Quelque chose pour améliorer les cicatrices et le grain de peau, avoir plus de glow et aussi les boutons, parce que ces derniers temps j'ai tendance à avoir des boutons qui me sortent. Là en ce moment là j'ai des boutons chelous, des boutons durs, etc. Et ça a tendance à me faire ça assez souvent. Donc voilà, j'ai aussi envie de m'y intéresser niveau de ma skincare routine pour améliorer tout ça. Ok? Toujours dans le skincare, j'ai envie de mettre un gros focus, m'intéresser encore plus à ce qu'on appelle l'énergie féminine. Alors je sais pas si vous vous intéressez beaucoup à ce genre de choses, l'énergie, aux énergies, etc. Vous avez deux types d'énergie en fait qui existent. Vous avez l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et sachez que c'est des choses qui ne sont absolument pas associées à votre genre. Tout le monde a des propriétés propres à l'énergie masculine et des propriétés un petit peu plus propres à l'énergie féminine en soi. Et en fonction des situations, en fonction de votre vie, etc., vous avez tendance à des fois développer plus des instincts de l'énergie féminine ou de l'énergie masculine. Je vais vous mettre à l'écran quelque part un petit tableau peut-être qui récapitule des propriétés. Je sais pas si vous vous intéressez beaucoup à ça. Moi c'est un truc que je m'y intéresse depuis quelques temps maintenant et vraiment j'ai envie de m'y intéresser plus et d'appliquer un petit peu plus ces choses-là. Je sens que c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'aider au niveau mental, etc., bien-être, tout ça, parce que, désolé, on a été coupé, j'avais plus de batterie, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Énergie masculine, énergie féminine, énergie masculine, c'est un petit peu plus associé à tout ce qui est résolution de problèmes, esprit analytique, la compétition, la protection, orientée vers le fait de prendre des actions et d'accomplir des choses. Alors que l'énergie féminine, par contre, elle est plus créative, elle est autour de l'inspiration, elle est, comment dire, légère, rayonnante, solaire, intuitive, qui éprouve de la compassion, des choses comme ça. Deux énergies qui sont à l'opposé, mais qui sont toutes les deux complémentaires. Et comme je le disais, chaque personne possède une part d'énergie positive et une part d'énergie négative en elle, peu importe son genre. Et c'est vrai que le monde actuel fait que on a beaucoup plus tendance, enfin beaucoup de personnes et beaucoup de femmes notamment ont tendance à beaucoup accentuer son énergie masculine pour son job, pour sa carrière, pour des fois des relations qui peuvent être un petit peu tendues, des choses comme ça. Et voilà, c'est vrai que moi aussi c'est ce que j'ai pu avoir tendance à faire notamment ces dernières années, être un petit peu plus dans cette énergie-là.
Et j'ai envie de revenir un petit peu plus vers cette énergie plus féminine, un petit peu plus autour de la créativité, autour de la légèreté, autour d'être inspirée par les choses, d'être un petit peu plus avec le flow des choses. C'est vrai que j'ai envie d'un petit peu plus me focaliser, de me focus sur ça au mois de mai et de me retrouver un petit peu plus dans cette énergie. Et dans le deuxième objectif qui va avec celui-ci, c'est un espèce de sous-objectif dans l'objectif, c'est au niveau vestimentaire, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais 2020, 2021 qui sont passés par là, peut-être avec le télétravail, tout ça, je pense qu'on est beaucoup à avoir beaucoup investi dans tous les habits un petit peu plus détente, dans le loungewear. Vous voyez ce que je veux dire, hein, les espèces de leggings ou bien les espèces de trucs un petit peu plus larges où on est confortable dedans. J'ai envie de ressortir un petit peu tout ça, de mettre un petit peu plus le loungewear de côté et de revenir un petit peu plus vers mes habits un petit peu plus, pas sophistiqués, mais je sais pas comment dire. Un petit peu plus travaillé, vous voyez ce que je veux dire, vous avez capté, je pense que vous voyez très très bien de quoi je suis en train de parler. Ensuite, quelques objectifs santé et bien-être. J'ai envie de remettre mon focus dans mon alimentation. Donc premièrement, inclure plus de protéines dans mes journées. Deuxième objectif, revenir au smoothie parce que c'est la période, là, le printemps. On a tous les fruits de l'été qui vont commencer à arriver, etc. C'est la période parfaite pour les smoothies, pour intégrer plus de fruits, de légumes, de fibres dans son alimentation. Objectif un petit peu plus sportif, entre guillemets. Je sais pas si vous connaissez le challenge 75 days. 75, mais bon, c'est 75 jours hard challenge que j'ai un petit peu remanié à ma sauce. Donc le challenge original, c'est de faire deux trainings par jour de 45 minutes, dont un à l'extérieur. Et le training à l'extérieur, ça peut tout à fait être genre 45 minutes de marche. Moi, je me dis que si en tout, j'arrive à faire entre 1h à 1h15 à 1h30 les meilleurs jours de training extérieur-intérieur, donc avec une séance de sport, sachant que je fais pas forcément du sport tous les jours, plus de la marche, parce que sortir par contre à l'extérieur, prendre l'air, c'est hyper important. Entre 1h et 1h30 d'activité, avec une partie, je veux que ce soit une belle balade à l'extérieur pour prendre l'air. Et le deuxième, ça peut être le training de mon choix, ou bien ça peut être une deuxième session de marche à l'extérieur ou quoi. Deuxième principe, c'est de boire 2,5 litres d'eau par jour. Troisième, lire 10 pages d'un livre de son choix par jour. Et dernier principe, c'est de prendre une photo de son progrès au cours du challenge, sachant que ça s'appelle le 75 Days Hard Challenge parce que c'est un challenge que vous devez faire sur 75 jours consécutifs, et si un jour vous n'appliquez pas tous les principes du challenge, vous êtes censé recommencer à zéro. Alors moi, je vous dis, tous les trucs compliqués comme ça où il y a trop de contraintes, c'est pas pour moi, parce que à un moment donné ça commence à me saouler, et quand ça commence à me saouler, j'arrête. Donc j'allège le truc. Donc la photo de progrès, ça sera peut-être une fois allez tous les toutes les 2-3 semaines, hein, franchement, à la limite, voilà. Objectif personnel, déclutter de ma garde-robe et déclutter make-up. Comme je vous avais dit, je suis dans une phase de tri, je veux finaliser mon déclutter make-up et mon déclutter garde-robe. Et deuxième objectif, retaper mon balcon, parce que pareil, c'est le printemps-été qui arrive, il faut que j'ai une petite chaise, une petite table à mettre au balcon pour prendre le café un petit peu au balcon le matin, ça fait du bien, hein. Voilà, objectif personnel, je pense qu'on est soft. Objectif business, reprendre les vidéos sur YouTube, et j'espère poster au moins une fois par semaine, une à deux fois, ça serait le top toutes les semaines. Et objectif finance pour ce mois de mai, ça serait de lire un livre sur tout ce qui concerne un petit peu l'investissement. C'est vrai que c'est un sujet où j'y connais très très peu, tout ce qui est finance, investissement, etc, tout ça. Donc j'aimerais bien me renseigner, voir ce qui existe, les possibilités, les bonnes pratiques, etc, dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que Dans les temps actuels, hein, où on se pose un petit peu tous des questions, on sait pas trop où on va là, avec les courses qui ne font que augmenter toutes les semaines, quand on regarde sa facture comparé à ce qu'il y a dans son panier, on se demande what the fuck, qu'est-ce qui se passe. Donc j'avais juste envie de lire quelques petits trucs par rapport à ça pour me renseigner. Donc si vous avez des suggestions à ce sujet, vous me mettez ça dans les commentaires. Comme d'habitude, j'ai toujours envie d'avoir vos retours, ça m'intéresse vachement. Et écoutez, je pense que ça clôture mon reset pour ce mois de mai à venir. Donc on clôture ce mois d'avril en beauté, qui a été le mois du jet lag, mais le mois où on s'est repris en main et on a envie de se reprendre en main, et on se donne les moyens de se reprendre en main au mois de mai. Et le mois de mai, c'est le mois où on se remet à fond dedans, et voilà. En tout cas, je suis super impatiente de savoir un petit peu ce que le mois de mai a à nous offrir. J'approche ce mois-ci sur une super good vibe, je suis super contente de vous avoir retrouvé sur YouTube, de revenir, il fait beau, il fait jour jusqu'à tard, bref, tout plein de raisons d'être de bonne humeur. Un autre truc qui me mettrait grave de bonne humeur, c'est de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé
de ce format de vidéo. Est-ce que ça vous tente que j'en fasse plus? Parce que moi j'ai trop kiffé vous parler un petit peu de la vie en général. Franchement j'ai trop kiffé. Pensez à liker la vidéo, vous abonner, faire tous les trucs YouTube habituels. Ouais, les trucs YouTube, ça m'avait trop manqué. Je suis sûre que ça vous aviez manqué aussi. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus incroyable dans ce monde. Si personne ne vous l'a encore dit aujourd'hui, je vous aime très 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 fort. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!